Au début, il y a eu des doutes. Il y en a certains qui doutaient, qui pensaient que je fabulais ou autre. Après, ils se sont rendus compte que, ben oui, il y avait vraiment eu des soucis et tout, puisque les enfants ont fini par parler. J'en avais déjà conscience avant que ça allait plus, quoi. Mais dès que je parlais de comme quoi il fallait qu'on réagisse comme des adultes, qu'on se sépare amiablement comme des adultes ou quoi que ce soit, c'était même pas la peine. C'était pire. Vos familles savaient? Non. Ma mère a eu des doutes, mais autrement, personne ne savait. Et aujourd'hui, ils savent? Non, pas tous. Certains ont su, mais pas tous. Et ceux qui savent, ils vous ont dit quoi? Ils n'auraient jamais cru ça de lui. À chaque fois, il était vu comme quelqu'un de bien, comme je dirais le meilleur. Mais jamais personne n'aurait cru qu'il se passait ça à la maison. Ben, ma mère, de toute façon, ma mère et mon père, il y avait des violences aussi. À chaque fois, quand je disais à ma mère, fais le nécessaire, va-t'en, fais le nécessaire et tout, ma mère ne voulait pas en trouvant justement le prétexte que voilà, j'étais là, donc il fallait qu'ils restent ensemble. Quand j'ai quitté chez mes parents, que j'ai commencé à construire ma vie, j'ai dit la même chose à ma mère. Maintenant, c'est bon, tu ne peux plus trouver l'excuse en me disant, oui, non, mais t'es là. Je ne suis plus là, donc fais le nécessaire. Et ma mère n'arrivait pas à faire le nécessaire. Donc, une fois que j'ai quitté le domicile, c'est moi qui allais faire face à mon père. Quand je savais qu'il se passait quoi que ce soit, ou si ma mère m'appelait en urgence, c'est moi qui allais faire face à mon père. Mon père, j'étais capable de faire face, parce que je sais que quand je lui faisais face, avec moi, il n'osait pas le ton ou quoi que ce soit. Qu'avec mon ex-mari, non, c'était pas du tout la même. Non, je ne me serais pas amusée à faire face. Dès que la personne commence à lever la main une fois, après, ça va... Comme on dit, hein, un chien qui mord une fois, c'est un chien qui va remordre. Hein. Ben, c'est exactement la même chose.